Bomba, nous arrivons, je pense, une semaine après le stream et l'ouverture du concours des skins, et nous allons choisir un gagnant, enfin des gagnants, hein, parce qu'il y a beaucoup de skins à gagner. Salut tout le monde, c'est Pegunman, et attention, Bomba. Bomba, comment allez-vous? Moi, ça va tip-top. Je vous avais laissé un certain moment, il y a un moment déjà aussi, j'avais fait un stream où. Je proposais, où j'avais fait un opening case, où j'ai eu des skins, et la plupart des skins, je me suis dit, pourquoi pas les redonner à vous, mes chers abonnés, à mes chers joueurs, mes chers compagnons de route sur CSGO. Et donc, j'avais tout simplement demandé de poster des petits commentaires, des petits commentaires comme on voit, hein. Oups. Petit commentaire, oui, je ne sais pas pourquoi je bug. Parce que en fait, j'avais le OBS stream là, et je me disais, en voyant la preview, que j'étais in-game. Mais non, en fait, non. Parce que je suis en train de regarder, en fait, mon deuxième écran. Enfin bref, chose plaisanterie à part, je vous avais tout simplement demandé de poster un petit commentaire disant pourquoi vous avez envie de jouer cette... tout simplement d'avoir cette arme. Et bah, on peut dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires assez rigolos. Très difficile de choisir un commentaire très bon, parce qu'ils sont tous bons, hein. J'ai beaucoup rigolé. Donc voilà, j'ai fait comme ça, j'ai fait Pumba, choisi un, il a choisi au hasard. Et donc, comme on peut le voir, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de skins. Il y a juste un skin que j'ai mis à double. Après, bon, j'ai regardé les. J'ai mis deux fois la même image en fait. Donc, on va commencer tout de suite par la première image. Hein. Donc, il y a eu. Je pense qu'il y a eu une centaine, 150 commentaires en tout. Donc, j'ai tout regroupé dans un bloc-notes, hein, comme vous pouvez le voir, avec les commentaires. Donc, je le mets sur mon deuxième écran. La première, le premier, la première, là voilà. Alors, la première arme, enfin, le premier gagnant de cette Pegunawap Pite Viper, il y avait 18 commentaires et j'ai choisi Pierre Parti Fancourt. Donc, Pierre Parti Fancourt, il est où? Voilà, il est là. Donc, en plus, je n'avais même pas mis un petit j'aime dans son commentaire. Pierre Parti Fancourt qui m'a fait je veux cette AWAP pour faire du tir au pigeon. Quoi, j'ai pas le droit. Quoi, j'ai pas le droit. On n'est pas tous fans des serpents. Tir au pigeon, ça me fait souvenir en fait la map tir au pigeon sur CS 1.6. Donc, c'était une map où les CT étaient carrément dans un enclos et il y avait plein de terroristes, plein de méchants qui sautaient un peu partout sur la map et on devait les tuer avec la AWAP. Et donc je me suis dit, ce gars il m'a fait rappeler tir au pigeon, je te remercie à toi. Donc Pierre Parti Fancourt, je te demanderai de me contacter sur le Facebook, parce que vu que c'était un concours sur Facebook, et de me passer ton Steam ID pour que je t'ajoute et que je te donne ton Pegun Pit Viper. Donc il faut dire qu'in-game elle est vraiment pas mal du tout, et j'espère que tu fragueras beaucoup de pigeons avec. Ensuite, hop, le deuxième. AWAP, donc il y avait deux AWAP à gagner. Hein. Le Electric Hive. Il y a eu un commentaire d'une personne. Voilà, oh celle-là, j'ai beaucoup aimé aussi. Hein. Mais il se reconnaîtra pourquoi j'ai beaucoup aimé. Parce que surtout, Satan. Il y a eu énormément de commentaires. Et il y a un qui m'a attiré l'attention. C'était celle de Jean-Jacques Dujuneau. Donc en plus il a une photo de Jean-Jacques Goldman. Il m'écrit, cette arme est tellement belle, j'adorerais l'avoir, mais il y a un obstacle devant moi. Oui, des centaines d'hommes qui la protègent au péril de leur vie. Et il me faut les attaquer intelligemment en contournant vers la GA pour avoir une bonne vue, ayant juste ma bite et mon couteau pour me défendre. J'aurais du mal à les atteindre, il me reste qu'un seul espoir, appeler le grand, le légendaire Pegun Pumba. Pour qu'il m'offre la chance de posséder une arme époustouflante. La mort est instantanée et terrible avec cette arme, mais. Ah, il y a une petite faute d'orthographe. Enfin, il y a des fautes d'orthographe partout. Mes ennemis ne feront pas le poids, j'en appelle à toi.
Donc Jean-Jacques Goldman, bravo à toi d'avoir gagné le Electric Hive. Faut dire qu'une game, voilà, elle a son petit style. C'est pas la meilleure des AWAP que je préfère. Moi, j'aime bien le Graphite et aussi la WP Redline que je rêve d'avoir, que je rêve, que je voilà, que je rêve d'ouvrir dans une caisse. Donc, tu me contactes sur le Facebook pour que je t'envoie justement cette enfin pour que tu m'envoies ton CMID, que je t'ajoute et qu'on fasse la transaction. Bien entendu, vu que c'est toi qui me contactes sur Facebook, ça peut être que toi qui m'ajoutera. Ensuite, le FAMAS Pulse R. Donc il y avait eu pas mal aussi de commentaires. Dark Fury, Flavien Rebetta, Antoine Miquet, Gaël Gruyère, Pierre, Victor, Sébastien, Idriss Boulala, Captain Falcon. Et là, un commentaire m'a tilté du nez. Enfin, tilté du nez. Je ne sais même pas si ça se dit. M'a tilté. C'était celui de Captain Falcon, parce que il faut tout simplement secouer le FAMAS pour que le Pulse reste en bas. Bah oui, parce que regardez, il y a plein de petits fragments sur le Pulse. Et Captain Falcon a eu la merveilleuse idée, pardon, de le secouer et de poster ça comme commentaire. Bravo à toi. Je te connais depuis plus de 3 ans déjà, je crois. Donc je t'ai déjà sur Steam, je t'enverrai le skin, bien entendu. Viens me contacter directement après avoir eu cette vidéo parce que j'espère que tu la regarderas. Bravo à toi, Captain Falcon. Ensuite, le PP Bison StatTrak, donc la première arme StatTrak à gagner, la Water Sigil, c'est monsieur, comment il s'appelle déjà? Où est-ce qu'il est? Oui, où est-ce qu'il est? Water Sigil s'appelait. Voilà. Il est là. C'est lui. Alors lui, il a écrit, je veux, donc, je Vandal Perichot. Je ne sais pas comment dit ton pseudo, enfin ton nom, prénom. Enfin, il y a juste Perichot que je sais dire. Il a écrit, je veux le pépé bison, car le mot bison m'évoque toutes ces nuits aux toilettes à avoir recraché par le fondement de tous ces steaks de bison que j'ai pu manger au Buffalo Grill avec la sauce barbecue, évidemment. Et là, il met un petit cœur. Du coup, je l'ai. Si je l'ai, pardon, je vais pouvoir me venger sur tous les joueurs que je croise. Donc j'espère que ton petit estomac se comporte beaucoup mieux. Parce que le PP Bison s'avère être une arme assez efficace en deuxième round s'ils n'ont pas Kevlar en face. Hein, parce que s'ils ont Kevlar, voilà, elle a une pénétration d'armure très très faible. Et donc, elle commence à être un peu moins utilisée. Mais bon, elle fait toujours des carnages parce qu'elle a 60 balles. Donc, Monsieur Perrichot, bravo à toi. Ajoute-moi sur Steam quand tu m'auras passé ton pseudo Steam en Facebook. Donc, on va passer au suivant. Ah, un autre stat track. Le Azure Zebra G3 SG1. Donc là, je voulais le donner à une personne en particulier. C'est mon petit Ruben CSGO. Hein. Donc, parce que justement, il y a très peu de commentaires. Et vu que Jean-Jacques Goldman avait déjà gagné, et Dark Fury, t'as un serveur administré, t'as déjà un serveur, donc t'as pas le droit, t'as pas besoin de skin. Hein. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'offrir à Ruben? Parce que je sais qu'il joue beaucoup avec cette arme et qu'il l'aime tout particulièrement. Et en plus, elle est bleue. Hein. Donc, il a tout simplement écrit, c'est triste que personne ne veut un G3 SG1. Moi, je l'aime bien, c'est mon arme principale sur le jeu. Ce qui est totalement faux. C'est pour ça que j'ai envie de te la donner. Et comme ça, quand tu seras au prochain OSWC, j'ai envie que tu joues avec. Ruben, j'ai déjà ton Steam ID, ton Steam profil, etc. Je te la donnerai. Parce que ça me fait plaisir. Et en plus, elle est en stat track. Tu pourras te la péter sur tous les kills au mid DOS2 que tu auras fait, pardon, je viens de perdre Pumba, sur cette map. Ensuite, la prochaine arme où j'ai choisi un gagnant, enfin où Pumba et moi avons choisi un gagnant, c'est la P90 Blindspot. Donc la P90 Blindspot, je vais voir dans mon petit bloc-notes. C'était, si c'est ça correspond bien, c'est Monsieur Florent Plancarte qui a tout simplement écrit, si je veux ce P90, c'est tout simplement d'une part que je n'ai pas de beau 90,
P90. Et de deux, je joue pas mal avec cette arme en compétitif et j'ai bien envie de foutre le seum avec ce beau skin, avec un petit cœur. Et de trois, ça m'aiderait beaucoup dans ma quête du Pagan Puck. Ça, c'est très bien parce que c'est une arme qui n'arme. Ulala, c'est une arme qui poke très très bien. Car oui, mon 5-7 rouge continue sa route, mais il va avoir besoin d'aide. Ah, en plus, c'était lui qui avait gagné le 5-7 rouge. Hein. Donc voilà, c'est sa deuxième fois qu'il gagne un skin. Donc bravo à toi, Florent. Donc je crois que je t'ai gardé dans les contacts, hein, vu que je fais un tournus. Donc tu me contactes ou tu me ajoutes sur Steam en disant que c'est bien toi, sur Facebook, etc. Tu gagnes le Blind Spot. Donc j'espère que tu vas Pagan Puck avec cette arme. Ensuite, suivant, là c'était à double, donc on passe. Le P250 style disruption. Ils ont vraiment des noms bizarres, les skins. Faut dire qu'in-game, il claque vraiment celui-là. Alors, hop hop hop, c'était celui-là que j'avais choisi. Il n'y avait pas eu beaucoup de commentaires hein, là-dessus, étonnamment, parce que c'est une arme très très utile en compétitif. Notamment quand on perd un écho, on fait souvent du P2 Kevlar et ça poke assez méchamment. Didier Devaux qui dit tout simplement un magnifique P250 offert par Pagan Man pour avoir la classe lorsque l'on met DHS. C'est propre. Didier Devaux, tu gagnes ce skin. Contacte-moi sur Facebook. Ensuite, on pourra faire la petite transaction et tu pourras Pagan Pucker. Tous les CT ou tous les terreaux, parce que c'est une arme CT et une arme terreau également. Ensuite, autre arme StatTrak, donc il reste, on est à la moitié, hein, je dirais on est à la moitié de la vidéo, ça fait déjà 11 minutes. Qui est-ce que j'ai choisi? Alors, il s'appelle Antoine Desbrest. Antoine Desbrest était le premier à avoir posté un commentaire sur ce Galil. Donc tu gagnes le Galil StatTrak Bleu Titane parce que tout simplement tu as dit je veux cette Galil afin de représenter. Oula, faut dire que les fautes d'orthographe ça me pique un peu les yeux, je suis désolé. Disons que ça fait un peu partie de la culture. Qui dit tout simplement je veux cette. C'est un Galil, c'est une arme, c'est un Galil, c'est un fusil d'assaut, donc ouais, on peut dire un ou une, peu importe. Je vais redire sa phrase, je veux cette Galil afin de représenter la patrie des titans, afin de rivaliser avec les pires espèces d'entre eux, puis aussi pour compter les vilains CT qui je tue. Voilà, monsieur, je crois que c'est ton orthographe qui m'a fait tilter, parce que j'ai eu du mal à le lire, mais tu gagnes quand même, comme quoi tout le monde peut gagner un skin, comme quoi je choisis au hasard. Tu gagnes le StatTrak Bleu Titane. Bravo à toi, contacte-moi sur le Facebook et après on s'ajoute mutuellement et on dit salut ça va, paf je te mets l'échange et je t'envoie le skin. Ensuite, oh là là, 5-7 StatTrak Night Shady. Le Night Shady a été gagné par un monsieur qui s'appelle Brian. Brian TRM. Brian Tournoi. Un gars que je connais depuis longtemps. Parce que voilà, il se met à CSGO, il se remet à CSGO, enfin il se remet. Il est en train de jouer beaucoup, beaucoup, et ça me fait vraiment plaisir qu'il s'investisse dans le jeu et il a commencé à avoir un bon petit niveau. Et il dit tout simplement, j'adorerais avoir ce pistolet StatTrak, juste magnifique pour pouvoir Pagan Poké. Mon petit Sunt, tu gagnes ce Pagan StatTrak, parce que je sais que voilà. Je t'ai un peu briefé comment jouer avec cette arme et j'ai envie de savoir combien de personnes tu tues avec. Allez, je t'ai sur Steam, je te l'enverrai une fois que j'aurai fini cette vidéo et que je l'aurai publiée. Ensuite, le PP Bison. Alors, le PP, il y a deuxième PP Bison hein, à gagner. Hein. Il y avait deux StatTrak que j'avais ouverts. Là, je me gratte un peu. J'avais choisi Axel Nikolai, donc le dernier commentaire de cette Pagan List, qui a tout simplement dit, Axel Nikolai, je veux cette Pagan Piu Piu pour enfin jouer avec cette arme extrêmement puissante et faire des kills au grand honneur de Pagan Man. Le gars, il me jette des fleurs, mais il me fait rappeler le merveilleux Piu Piu de CS 1.6, qui était le TMP, qui était l'arme de Pulp Fiction, où ça servait à rien d'utiliser. Et donc, Axel Nikolai, tu me contactes sur Facebook pour pouvoir recevoir ton skin
dédié à la charcuterie des gens sur Inferno. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Ce qui est suivant, un autre 5-7, le 5-7, 5-7 Camille. Bah, il y a pas eu beaucoup de commentaires, vu que Ruben a déjà gagné une arme, et aussi Jean-Jacques Goldman aussi. Bah, il restait que Dark Fury, l'admin de la SOC, hein, l'admin du serveur. Donc voilà, je t'ai sur Steam et je t'ai aussi sur Facebook. Je t'enverrai le skin une fois que j'aurai fini, bien entendu, cette vidéo. Parce que ce nom d'arme est stylé. Parce que Kami, ça veut dire tout simplement Dieu en japonais. Et le 5-7, c'est vraiment une arme, je dirais, très divine. Parce qu'elle fait très très mal. Ensuite, on va passer au Galil AR Sandstorm. Donc le Galil a été gagné par Monsieur Thomas Badman. Qui dit tout simplement que j'aimerais cette arme car je l'adore, je la trouve très jolie et en plus l'avoir de toi, ça serait énorme. Donc Thomas Badman, je te félicite. Vu que tu as envie de l'avoir par moi-même, bah, je me suis dit que ça te ferait plaisir que je te la donne. Allez, tu sais ce qu'il faut faire, me contacter sur Facebook, on s'ajoute sur Steam et je te la donne. Le Novas Rising School. Le Nova Rising School. Faut dire qu'in-game, il pète vraiment, 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 vraiment. Il a vraiment la classe, ce Nova. Et le Nova, il a une façon assez particulière de se comporter. Et ça peut être une arme très, très, très efficace quand les gars n'ont pas de Kevlar, quand on one-shot avec ce truc. On fait des carnages assez monstrueux. Notamment, Scream avait fait un gros, gros full team, je crois, au Nova, il y a très longtemps, sur CSGO. Qui a été gagné par Victor Rigaud, tout simplement, qui me dit ça. Je vais le faire à la façon qu'il a écrit son commentaire. Ah, pourquoi il y a une tête sur le Nova? Généralement, quand je passe, les mecs n'en ont plus. Effectivement, le Nova, c'est limite une arme à one shot, hein, une arme à AHS. Et donc, j'espère que tu feras des petites one action avec ce Nova pour montrer à quel point ce que tu dis est vrai. Donc Victor Rigaud, tu me contactes sur Facebook, tu m'ajoutes sur Steam. Il faudra que je supprime 20 personnes sur Steam, je suis désolé parce qu'il faut que j'ajoute les autres. Enfin, je ne sais pas si c'est, je dois m'excuser ou être désolé, vu que maintenant on est tous réunis dans la SOC Alliance. Ensuite, on va passer au Dual Beretta Marina. Le Dual Beretta Marina. C'était tout simplement une excellente arme, le Dual Beretta, qui a été gagnée par Monsieur Olivier Boll. Olivier Boll, qui dit tout simplement, j'aimerais avoir cette arme car les couleurs sont hallucinantes et ça me fait rappeler le carnage que tu avais fait dans une One Action sur Inferno. Effectivement, la One Action que j'avais fait sur Inferno, au Dual Beretta était assez cool parce qu'ils avaient tous rushé hauteur A et moi j'ai décalé et j'ai fait trois têtes. Et ensuite, c'est dommage, j'ai presque pu me faire un full team, mais j'ai pas réussi à tuer le cinquième. Olivier Boll, tu me contactes sur Facebook et je t'ajouterai sur Steam pour te donner ce merveilleux Dual Beretta Marina parce qu'il faut dire qu'elle claque vraiment. In-game également. Ensuite, on va passer à du lourd au niveau des armes à gagner. Alors là, honnêtement, j'ai eu beaucoup de, voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir un gagnant, hein, tout simplement, parce qu'il y avait beaucoup de bons commentaires. Donc j'ai demandé à Pumba de pointer sa patte sur l'écran, et il a sorti Monsieur Rémi Dumont, tout simplement, qui dit, je veux The Pagan Guardian pour pouvoir surprendre mes adversaires comme un ninja. Secret engagé par Pagan, je travaille dans l'ombre. Donc, Monsieur Rémi Dunon, tu gagnes vraiment une merveilleuse arme. En plus, elle est dédicacée. Hein? En plus, elle est dédicacée, ce qui fera que. Ah, il manque. Ah non, non, j'ai rien dit. En plus, elle est dédicacée par moi-même. Et j'espère que tu vas pouvoir augmenter ton Pagan skill et représenter la patrie de la SOC Alliance sous le plus beau jour. Donc, Rémi Dumont, tu me contactes sur Facebook, on s'ajoute sur Steam et je te donne
le skin, cordialement, et tu as toute sa famille. Ensuite, on va passer aux quatre derniers skins à gagner. Là, j'ai choisi quelqu'un en particulier, parce que je vois qu'il y a, dans tous ces noms de mecs, il y a une fille. Laure Azalbert. Donc je me dis, il y a des filles qui jouent à CSGO, il y a des filles qui me regardent en train de jouer à CSGO. Je me dis qu'une fille qui a un stat track sera représentative de l'évolution humaine sur ce jeu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, Laure Azalbert, je ne sais pas si je dis bien ton nom de famille, tu gagnes le Pegon, Stat Track, Galil AR, désintégration. Et en plus, tu peux voir, hein, tu peux voir que je l'avais déjà utilisé. Hein, je l'avais déjà utilisé pour tuer des gens. Donc c'est un grand honneur pour toi d'avoir une arme que Pegonman a utilisée. Comme dirait mon Yanis. Bonjour! Alors, Laure Azalbert, tu m'ajoutes, enfin, tu me contactes sur Facebook. Je l'ai dit 20 fois, hein, tu me contactes sur Facebook et après, on s'ajoute mutuellement sur Steam. Mais bon, tu sais ce qu'il te reste à faire pour pouvoir toucher ce merveilleux Galil que j'avais drop dans une caisse il y a très longtemps. Alors, ensuite, une autre grosse arme à gagner. Il y avait beaucoup de commentaires aussi. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup de commentaires. Et j'en ai choisi un seul. Un seul, tout simplement. En plus, je crois qu'il a posté deux commentaires. Hein? Et j'ai pas vu. Mais bon, c'est pas grave. Parce que c'est celui qui a été le plus court et c'est celui qui a attiré mon attention. Tout simplement. RIP Machinov. Donc Machinov, c'est monsieur qui a créé l'arme Kalachnikov. Donc c'était Mikhaël Kalachnikov. On peut voir que voilà, je suis très content. Ma Kalachnikov. Kalachnikov. Voilà, Kalachnikov. C'est très bien. Mikhaël Kalachnikov. Donc voilà le créateur de la Kalachnikov. Sans lui, on n'aura jamais eu cette arme sur CS. Et après, je ne dis pas l'histoire de cette arme parce que c'est une arme qui a tué énormément de personnes. Donc, Monsieur Fares Bouimaeza, tu nous fais un petit cours d'histoire, tu nous fais savoir qui est Monsieur Kalachnikov. Et en plus, elle est dédicacée, The Pagan AK-47, avec un joli smiley. Je te félicite, tu me contactes sur Facebook, je t'ajoute sur Steam et je te donne cette Pagan AK, cordialement. Ensuite, on va passer à l'avant-dernière arme, le 5-7. C'est le troisième 5-7 à gagner. Ça fait déjà 23 minutes que je fais cette vidéo. Le troisième 5-7, et c'est un 5-7 sémanté in-game. Il est vraiment magnifique. En plus, vous voyez, il est tout brillant et tout ça quand vous mettez les shaders au maximum. Et j'ai choisi, c'est sémanté, choisi. J'ai choisi cette merveilleuse personne qui m'a tout simplement fait rire parce que je pense qu'elle est mexicaine. J'aimerais que tu me le redonnes. Je vois pas quand ça. Oula, monsieur, j'ai cliqué sur ton pseudo Facebook. Hop, hop, hop. On va retourner sur la sélection des armes. Ouais, c'est du live, les gens. C'est du direct. C'est ça qui est beau. C'est du Pegun direct. Alors, on était, on était, on était, on était. On était. On était ici. Alors, le sémanté. Le sémanté, c'est ce monsieur-là qui a gagné. J'aimerais que tu me redonnes le gun que mon grand-père avait pendant la guerre des tacos à Mexico. Tu serais fort aimable. Donc, la guerre des tacos, qu'est-ce que c'est? La guerre des tacos. C'est un truc qui n'existe pas. Donc on peut voir qu'il y a plein de tacos. Et là, il y a du tacos. Et c'est vraiment magnifique. La guerre des tacos. Qui était une révolution mexicaine dans les années 2000. Et donc voilà, il faut que je te redonne cette arme, monsieur Benoît Turpo. Pour justement, parce que c'est un souvenir de ton grand-père. Hein, donc voilà. Je l'avais trouvée dans une caisse. Je te la redonne. Ça te revient de droit. Parce que voilà, ça a aidé à la révolution espagnole
algérienne du Mozambique. Ensuite, dernière arme. Ouh là, je suis vraiment fatigué. Dernière arme à gagner, enfin dernière arme qui va avoir un gagnant, c'est monsieur, c'est monsieur, c'est monsieur, c'est monsieur Gaël. Gaël Gruyère, parce que je viens de manger du fromage juste avant, et qui me dit tout simplement, je veux cette USP pour pouvoir me camoufler silencieusement dans un buisson et pouvoir tuer des ennemis sans être repéré. Parce que l'USP silencieux, et aussi la M4 silencieuse, sont des armes assez embêtantes parce que quand on meurt par cette arme, on ne sait pas d'où vient le tir parce que c'est des armes silencieuses. Et donc j'espère que tu te mettras dans un buisson pour pouvoir tuer au mieux tous ces terroristes qui nous posent tant de problèmes. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire pour pouvoir tout simplement profiter de cette arme. Donc voilà, hein, honnêtement, moi ça m'a fait plaisir de vous offrir ces skins. Hein, combien de gagnants? Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 gagnants qui ont gagné des skins CSGO. Donc bravo à vous. Hein. Moi ça m'a fait plaisir déjà de faire cet opening. Cette vidéo opening en direct. Et aussi, bah, ça me fait plaisir de vous donner des skins, parce que voilà, je fais une vidéo, on me donne des clés pour faire une vidéo opening. Et moi, bah, je me dis, au lieu de les garder pour moi, bah, je les fais partager. Disons, voilà, pour moi, c'est la meilleure façon de vous remercier, de me suivre tout autant que vous êtes sur YouTube, sur Twitter et surtout maintenant, je vois que la page Facebook reprend du poil de la bête parce que avant c'était voilà, je postais la vidéo, très peu de trucs. Et là, avec CSGO, bah, je vois que ça devient de plus en plus réactif. Et moi, ça me fait vraiment plaisir et pourquoi pas continuer sur cette lancée-là parce que CSGO a beaucoup, beaucoup d'années devant lui, hein, parce que c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement. Donc, on arrive au terme de cette longue vidéo, hein, résultat du concours avec les gagnants du skin, des skins. Contactez-moi sur le Facebook, tous les gagnants, et je vais pouvoir vous ajouter sur Steam. Je vous contacterai déjà personnellement. Et après, bah, si vous répondez, si vous voyez la vidéo, c'est que voilà, vous êtes content, vous avez gagné votre skin. Moi, je vous dis à tout bientôt. La semaine prochaine, j'ai une grosse annonce à vous faire, donc je la ferai en vidéo. J'essaierai de sortir la vidéo review recap le plus rapidement possible, afin que vous puissiez profiter de cette merveilleuse souris qui est la Recat Pure et aussi tout ce qui en suit. Elle est en construction, mais j'ai beaucoup, beaucoup de boulot à côté, j'ai beaucoup de choses, donc planifier tout ça. C'est un peu délicat et surtout ce qui va arriver dans quelques jours me concernant. Je vous expliquerai bien entendu ça à partir de la semaine prochaine. Je vous dis à tout bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Pegunman et Pumba. Et je vous dis ciao tout le monde.